dit salut, mais on sort, de... ouais. On sort d'un comité technique là où on était via. Il y a l'ordinateur de chez FO d'ailleurs. On était donc on a siégé sur le début du comité technique de ce jour. Un deuxième comité technique suite à un boycott. On a été à la rencontre du président mais qui n'était pas là pour lire une déclaration qu'on avait préparée en intersyndicale. Ce que je vous propose, si vous êtes d'accord, on va essayer de faire participer ceux qui nous regardent, donc d'évoquer la déclaration au fur et à mesure. Ce que je te propose, Jacques, c'est peut-être de la lire. Et puis, dès que tu as envie d'intervenir, tu interviens. Et puis, Marie-Jo aussi. Voilà. Pardon ? La lire par paragraphe. Ouais, voilà. Vas-y, on y va. Allez, par paragraphe. Allez, c'est reparti pour un deuxième tour. Ouais, tu peux enlever le masque, je mets le mien. Okay, voilà. Je crois que ça va être plus audible. Ouais. Donc, cette déclaration de l'intersyndicale CGT-FO-FSU fait suite au boycott du comité technique précédent et j'en retenais, avait communiqué avec tous les agents de la collectivité hein, parce qu'il est très fort en communication, leur dire que les syndicats CGT, FO, FSU sont les méchants. Donc on lui a fait une réponse à ce courrier que vous avez tous reçu. Donc Monsieur le Président, suite à votre déclaration à l'ouverture du comité technique du 19 décembre, l'intersyndicale CGT, FO, FSU vous apporte les réponses suivantes. Vous inversez les rôles en nous accusant de conditionner notre participation aux instances paritaires, dès lors que nous vous avons saisi sur la problématique du dialogue et de son résultat. Notre participation aux instances paritaires n'est pas conditionnée à un seul rendez-vous avec vous, mais à un travail de concertation et de négociation en amont des instances avec un ou des élus ayant pouvoir de décision de l'exécutif. Je continue la lecture tout simplement. Oui, vas-y. Le nombre de réunions est incontestable. Pour autant, la quantité de réunions n'est pas gage d'une bonne méthode de dialogue et de sa qualité. Alors, si on peut peut-être s'arrêter là. Peut-être on va donner la parole à Marie-Jo là-dessus, sur la quantité des réunions et la qualité. Tu nous dis deux mots. Alors, oui, effectivement, des réunions, on en a beaucoup. On en a tous les mardis, on va dire. Voilà. Depuis quelque temps, on s'est retrouvés de surcroît sans aucun document préparatoire aux réunions. Où on nous fait la lecture des documents, donc c'est bien compliqué, c'est sympathique de nous lire les documents, mais je pense que si on pouvait les lire nous-mêmes en amont, ça permettrait au moins du débat, mais du coup il n'y a pas de débat, c'est complètement muselé le débat. J'ai encore en mémoire la réunion qu'on a eue sur les lignes directrices de gestion, qui a été toute une journée entière de lecture sur un ton monocorde. On était épuisé le soir et on n'avait pas pu intervenir parce que le dossier était quand même très lourd. Donc voilà un bel exemple de dialogue social où on ne peut pas s'exprimer. Alors Jacques, je pense que la suite, elle est explicite par rapport à ce que dit, vas-y. Si je lis le paragraphe suivant, effectivement, ça va répondre à ta question, Pascal. Sous de prétextes fallacieux, depuis le début 2019, petit à petit, les consignes ont été données de réduire les éléments d'information aux organisations syndicales sur les sujets sensibles. Les groupes de travail se sont transformés en club de lecture, si ce n'est pas en salle de classe. Et votre remarque de considérer nos organisations syndicales, nous vous citons, donc je cite Jean Rotner dans sa déclaration, « Alors je trouve que ce n'est pas adulte et responsable. Démontre bien la considération que vous avez envers les personnels et les représentants que nous sommes. » Oui, tout à fait. Alors peut-être pour reprendre là-dessus, parce que je pense qu'il y a une incompréhension, incompréhension qui est voulue, hein, mais on cite un exemple, quand on dit prétexte fallacieux, c'est qu'il y a des éléments qui ont été fournis à l'opinion publique, aux agents sur les suppressions d'emplois, mais ce qu'on dit clairement dans ce paragraphe-là, Jacques, hyper important. C'est que ce n'est pas depuis cette fois-là, ça remonte déjà depuis un petit moment. Depuis le début 2019. Quoi. Ben oui, parce que les premiers reproches qui ont été faits d'ailleurs à Force Ouvrière, c'était lorsque on nous a donné les documents du PQSVM, vous aviez refait les tableaux avec les chiffres et ça n'avait pas plu. En même temps, ils n'ont jamais, ils n'ont jamais contesté les données, Tout à fait. Parce que même nous, en FSU, à un moment, on s'était dit peut-être que Force Ouvrière avait été un peu trop vite de diffuser un certain nombre d'informations. Mais au final, on se rend compte que jamais ils n'ont contesté des informations. Ils ont contesté que ce soit diffusé, tout simplement. Tout à fait. Mais pas le contenu, quoi. Complètement. Ouais. Et après, qu'il ne faut pas oublier,
C'est-à-dire qu'avant 2019, on avait ces groupes de travail qui démarraient avec un document Marty. Voilà. On faisait nos propositions, les OS, et à un moment, il y avait cette phase de négociation. Oui. Ce moment, cette rencontre qui était hyper importante, où on avait un élu en face de nous, mm-hmm. qui avait un pouvoir de décision. Hein, et ça, on l'avait pu. Donc, quand on dit à un moment, on dirait une salle de classe, on nous fait de la lecture. Ah oui, on pouvait changer de temps en temps une virgule ou un mot, etc. Oui. Mais c'était devenu des chambres d'enregistrement, pardon. Et fonctionner comme ça, c'est moi ce que j'appelle, moi en tout cas, et je pense que c'est pareil pour vous, c'est de la cogestion, quoi. C'est ça. C'est pas le rôle des syndicats. On n'est pas là pour faire de la cogestion avec l'administration ou avec la direction, pour accompagner, etc. On est des représentants des personnels. On défend nos positions, les revendications qu'on peut porter pour les adhérents. Et pour terminer, Pascal, si tu veux bien, alors. EFO a soi-disant a diffusé des documents, etc. Donc on les avait retransformés. Les chiffres venaient vraiment d'eux, quoi. Mais comment peut-on imaginer que des organisations syndicales, à aujourd'hui, et là depuis plusieurs mois, imaginez, on a des visios en ce moment, voilà, c'est déjà pas l'idéal des visios par rapport au présentiel. Les documents, ils nous les transmettaient 10 minutes. Après, 10 minutes avant le groupe de travail, Marie-Jo. Peut-être même après. Hein, ouais, au tout début, mais à la fin, c'était 10 minutes avant, un quart d'heure avant. C'est-à-dire que vous vous retrouvez dans un groupe de travail où vous devez parler sur un sujet qui est relativement important, et vous avez les documents, donc vous êtes en train de les lire. En plus, on les a en version, on les a pas imprimés, puisqu'ils viennent de nous envoyer. Il faut regarder, donc c'est pas grave, on peut pas travailler comme ça correctement. C'est complètement illogique. Quoi. Alors, comme Marie-Jo a parlé de la ligne directrice, on va passer tout de suite, s'agissant de la stratégie RH, on y va. Tiens, j'y vais pour une fois. Alors, c'est mieux sans masque là. S'agissant de la stratégie RH, elle n'a fait l'objet d'aucune consultation générale en comité technique dès sa présentation en janvier 2018. Vous mettez en avant un certain nombre de thématiques qui, pour quelques-unes, sont positives en omettant les points les plus sensibles qui animent et déterminent les conditions des personnels, leur emploi qualitativement et quantitativement. Donc, ce qu'on dit clairement par ce chapitre-là, si Marie-Jo veut bien suivre là-dessus, c'est qu'effectivement, dès l'arrivée du président, quelques mois après, il nous met sur la table une stratégie ressources humaines qui est relativement fournie et sur laquelle on ne valide rien, quoi. On ne demande de rien valider. C'est voilà, on roule, c'est comme ça que ça va se passer. Marie-Jo, un mot pour ça ? Oui, il nous a mis sur la table une stratégie des ressources humaines, et puis ensuite ils l'ont déclinée au fil des mois, à travers des réunions de travail tous les mardis. Mais effectivement, on n'a pas validé cette stratégie. Et puis en même temps, derrière cette stratégie se cachait un certain nombre de petits démons quand même, hein, le PQSVM entre autres, c'est des choses qui n'étaient pas clairement écrites. Les choses n'étaient pas clairement écrites. La suite, on reprend donc la déclaration qu'on fait à Jean Rotner, on reprend sa réaction du comité technique du 10 décembre. C'est pour ça qu'on a fait aussi cette réponse à ce liminaire qu'on a. Pascal, si tu veux bien, je voudrais revenir sur le paragraphe précédent. Oui, vas-y. On a l'arrivée, donc il faut bien comprendre que M. Jean Rotner succède à M. Richert. Hein, et on a l'arrivée de M. Pernaud en juillet 2018. La nouvelle direction générale. Donc ils sont arrivés, ils ont pris leur marque. Quelques mois, ils ont mis leur DGA, en place, et après, boum, début 2019, boum, ça nous tombe dessus, quoi. Oui, donné dans la cogestion. Hein. Je voulais juste dire ça. Ouais, c'est important parce que ça fait la suite, la transition. Et puis, 2019, il y a quand même eu la grosse réforme de l'administration. Hein. Oui. Ça a été énorme, hein, quand même. Bah, 2019, c'est ce qui nous fait à un moment donné sortir de nos gonds. Ouais. D'ailleurs, c'est dit dans ce chapitre-là, on le dit, hein, lors du comité technique du 14 mai 2019, les 6 organisations syndicales ont voté unanimement contre le plan de qualité de service et de valorisation des métiers programmant la suppression de plus de 600 emplois. Et donc, Jean Rotner se targue à ce comité technique de dire qu'il a un programme ambitieux, et aujourd'hui, on l'a interrogé là-dessus. Alors, l'agenda ne m'a peut-être pas permis d'être présent, mais en tout cas, on a lu cette déclaration aux élus présents. Voilà, le PQSVM, on l'a dit déjà, mais on va le redire, c'est quand même la présentation d'un beau titre, mais derrière qui engendre des suppressions d'emplois. Voilà. Jacques, un mot pour ça ? Oui, parce que là, tu viens de le dire, les 6 organisations syndicales, lors du comité technique, ont voté contre. Les 6. Oui. Sauf qu'aujourd'hui, on n'est que 3 OS.
trois organisations syndicales à combattre ça, puisqu'on sait tous que ce PQSVM qui nous a été présenté à l'époque, et on l'avait dénoncé, on avait manifesté ici à Metz, on était une petite 300, voilà, pas assez de monde. Oui. Les agents n'ont peut-être pas cru, parce que le président, on sait tous qu'il est très, 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 très. Non, vraiment, j'assiste très fort en communication, hein, on le sait tous. Sauf qu'à cette rentrée scolaire, ils l'ont mis en application. Voilà, c'est ça. Et là, je pense qu'on peut venir après, continuer sur les conditions de travail qui se sont dégradées alors, à une vitesse grand B. Ah, oui, oui. Je pense qu'il n'y a pas un collègue dans un lycée. Et j'ai pensé pour nos collègues du siège, hein, parce qu'on a nos collègues, on a certains services de RH ou certains collègues dans les maisons de la région. Et toutes ces réorganisations qu'il y a eu au niveau du siège, avec ces déjà, etc. On est tous sur le même navire. Hein. Ça, y a pas... Mais nos collègues du lycée, là, actuellement, là, c'est au front. Depuis septembre, ça a été très dur. Et du coup, qu'est-ce qu'ils ont fait, la région? Ils ont dit aux directions d'établissement, vous faites avec ce que vous avez, vous gérez, vous avez le droit de changer les organisations, de faire... Mais à un moment, quand on n'a plus le personnel, on n'a plus le personnel, quoi. Je veux dire, on s'y retrouve en déficit de personnel dans un grand nombre d'établissements où la situation, elle est insupportable pour les collègues. Catastrophique. Pour les collègues qui sont là, quoi. Hein, et on en parlait avant cette émission, je ne sais pas si on dit émission, oui. Je ne sais pas comment on appelle ça. Oui, c'est bon, émission vidéo. ce qu'il faut comprendre, c'est la chronologie des faits, quoi. Septembre, et les chiffres, je les annonce et je les confirme, il y a plus de 300 postes qui ont disparu. Alors, il n'y a personne qui a été licencié, on est tous des fonctionnaires, on a encore la garantie de l'emploi. Pour l'instant, on a encore le statut qui nous protège là-dessus, quoi. Mais on avait, vous savez tous, des contractuels sur des postes de titulaires non pourvus. Hein, ce ne sont pas des contractuels qui étaient sur des remplacements de CMO, de congé maladie ordinaire. Hein. Et la consigne a bien été donnée aux maisons de la région, vous ne me mettez plus des CDD là-dessus, et vous faites les remplacements au compte-gouttes. Mais de fil en aiguille, avec les personnes vulnérables, les éloignements, les personnes, les absences pour maladie ordinaire, les collègues qui sont encore en place, les suspicions, les cas contacts, etc., ils se sont retrouvés à un moment avec plus d'agents, plus on ne respecte plus les fiches de poste, les métiers, on a des cuisines qui disparaissent, ça devient, le règlement de temps de travail, on s'assoit dessus, puis une certaine pression au-dessus, et nos collègues, et je sais que vous avez... Parce que je pense qu'on représente assez bien les personnels des lycées, là, les trois organisations syndicales qui sont ici présentes. On a énormément de retours du terrain et les gens ne comprennent plus rien, quoi. Sauf que nous, on comprend, quoi. C'est que la politique de Jean Rottner, par rapport à, je vous rappelle quand même qu'il y a 120 000 fonctionnaires, de postes de fonctionnaires à supprimer, il y en a 70 000 de la fonction publique territoriale. Et M. Jean Rottner, quand il met ce PQSVM en place, en 2019, on est bien avant le Covid. Hein. On est bien avant le Covid. Tout à fait. C'est ça qu'on a, on a du mal à le faire comprendre, ça. C'est La chronologie. Il y a la chronologie et il y a les décisions gouvernementales aujourd'hui que notre collectivité accompagne. Ce qu'on voit bien même dans la gestion du Covid, c'est ça. C'est on attend toujours que le gouvernement dise les choses pour faire. Et on ne prend jamais un rebousse-poil. Alors il y a peut-être quelques exceptions, on en parlera tout à l'heure, parce que on va peut-être tout à l'heure parler un petit peu des réponses que Laurent Burkel a essayé d'apporter avant même qu'on lise notre déclaration d'ailleurs. Hein. Il a essayé d'anticiper notre déclaration. Alors on continue, après je laisserai Marie-Jo prendre la suite. Je vais lire ce paragraphe-là. Alors ce qu'on a relevé quand même, ce qu'on a indiqué cet après-midi, c'est qu'on a relevé une citation de Jean Rottner dans la séance précédente, hein, puisque comme on avait boycotté, ils ont été obligés de refaire cette séance aujourd'hui. Il dit, et il écrit d'ailleurs aux agents, hein, « Ces positions me semblent indécentes, donc la position de notre intersyndicale, nos positions, lui semblent indécentes, alors que les agents publics ont la sécurité de l'emploi. » Ce dont je me réjouis pour eux, donc il fait très attention de le dire. Hein. Quand tant d'autres habitants du Grand Est subissent le chômage partiel ou sont victimes de licenciements ou de cessation d'activité, elle me paraît même inaudible pour nos concitoyens qui sont préoccupés avant tout pour leur avenir et celui de leur famille. Alors là-dessus, moi j'ai tendance à dire qu'il oublie quand même qu'on est fonctionnaire, mais on est aussi citoyen, qu'on a des familles et qu'on est touché par ça aussi. Voilà. On ne peut pas opposer les gens contre les uns contre les autres. Et c'est toute la stratégie d'ailleurs, c'est on oppose les syndicats les uns contre les autres, les contractuels contre les titulaires. Là maintenant, on est même avec les vacataires, hein, parce qu'on pourra reparler de ça par la suite. Voilà, donc ça, c'est quelque chose qui nous est, voilà, qui n'est pas passé. Je veux dire, comme ça, c'est pas passé auprès des organisations syndicales, y compris de leurs adhérents, mais y compris de la part de beaucoup d'agents, parce que moi, j'ai eu des réflexions là-dessus.
Quelqu'un veut parler de ça ou pas? Vous voulez évoquer? Moi, je veux bien m'exprimer là-dessus parce qu'en fait, effectivement, il oppose les salariés du public et les salariés du privé, il oppose les fonctionnaires entre eux, et surtout, il a l'air de dire que comme on est fonctionnaire, on ne doit surtout pas se plaindre, on doit tout accepter, y compris des conditions de travail déplorables, y compris se retrouver dans une situation où il manque deux tiers des effectifs et où il faut faire le boulot, et il faut accueillir, parce que notre boulot c'est d'accueillir, de créer des conditions d'accueil acceptables pour les usagers, dans notre cas pour les lycéens entre autres. Donc voilà, on ne peut pas tout accepter au motif qu'on est fonctionnaire. Je veux dire, on doit quand même être considéré comme des salariés, des travailleurs, comme tout le monde. Alors, c'est ça qu'on exprime d'ailleurs dans le paragraphe après. On n'aura pas besoin de dire. Et ce que je ressens, Marie-Jo, je pense que, à la limite, je fais que répéter ce que Marie-Jo dit. Quoi. Oui. Certes, on est des fonctionnaires, certes, on a la garantie de l'emploi, mais ça n'explique pas pourquoi les conditions de travail sont comme ça aujourd'hui. Quoi. Pas parce qu'on est des fonctionnaires, pas parce qu'on est des salariés du privé, etc. Je ne vais pas faire du Zola, on s'y rapproche un tout petit peu. J'exagère quand même un peu, je veux dire. Mais tous les jours, j'ai des collègues qui m'appellent, qui ne comprennent plus le fonctionnement de notre collectivité et les conditions. Et après, on en parlera sans doute après, pourquoi on a des collègues qui sont en éloignement, pourquoi là, on me charge la mule. Et non, on est fonctionnaire statutaire, on a fait un choix au moment de notre vie. Ouais, moi, comme vous peut-être, moi j'ai 22 ans de privé, j'ai 20 ans de fonctionnaire. C'est un choix que j'ai fait un concours, je suis venu, etc. Quoi. Mais j'ai autant de respect pour les salariés. Je suis en interpro régulièrement avec toi, Pascal, avec les unions départementales, et toi, Marjo, on se voit dans les manifs. Hein. Oui. Ouais. La bagarre, elle se fait à tous les niveaux. Quoi. Ça ne justifie pas, parce qu'on est fonctionnaire, d'avoir des conditions qui datent de 50 ans en arrière. Quoi. C'est incroyable. Marjo? Non, c'est... Okay. Voilà. Tu lis la suite? Peut-être pas le paragraphe, voilà, vous. Voilà, ouais. Alors, nous, on poursuit en lui disant « Votre propos est une insulte à l'ensemble des personnels de notre région » qui assure un service public à part entière, tant pour la bonne marche des établissements scolaires que pour la mise en œuvre des politiques publiques. Ça s'arrête là ou on continue? Ouais, vas-y, continue. Par expérience, nous ne pouvons pas considérer que la réunion des instances paritaires soit le meilleur endroit de négociation. Les séances sont bien trop chargées et bien souvent vous êtes rappelés par votre montre et votre agenda. Pour preuve, pour l'agenda, il n'a pas pu être présent aujourd'hui même. Oui. Et à chaque instance, en général, il met les instances en route et puis au bout de 2 heures, ben, il regarde sa montre et puis il doit s'en aller parce qu'il a autre chose à faire. Et l'instance n'est pas terminée. En fait, tout ça, c'est pour aller à l'encontre de notre demande. Il ne veut pas nous recevoir. L'intersyndicale, on a demandé à être reçu parce qu'on demande un espace de négociation. Et ben, pour le moment, il n'a pas répondu positivement et on ne sait pas s'il va le faire. Mais pour le moment, c'est un refus catégorique. Alors, c'est tout à fait ça. Jacques, tu peux nous dire un mot là-dessus? Oui. Donc, on a fait cette déclaration là au comité technique qui est en train de se tenir, hein, puisqu'on a fait cette déclaration vers 14h. Non, il y a eu tellement de complications pour se connecter, etc. Le visio, c'est bien, mais une fois les yeux. Monsieur Rotner n'était pas là, c'était Monsieur Burkel qui était présent. Je suis en train de perdre le fil de ce que je voulais dire. Bah, on était sur les instances. C'est ça, exactement, c'est ça. On se connaît depuis plus de 10 ans, tous les trois. Hein, oui. Les comités techniques, les SAP, pas les SAP, je vais les mettre de côté. Les CHSCT, les comités techniques, depuis quand? Ces instances, c'est une instance de négociation. On le sait tous que c'est ça pas. On le sait tous. On n'a jamais négocié quelque chose le jour d'un comité technique. Ça s'est toujours fait en amont. Et quand on arrive au comité technique, comme on a connu un peu au début de la région Grand Est, quand à l'époque de M. Bassman qui présidait le comité technique, etc., le jour où on arrive au comité technique, tout est déjà ficelé. On va dire. Mais ça n'a jamais été, c'est ce qu'il nous dit, ça n'a jamais été un espace de négociation à comité technique. Ça s'est toujours fait à fait. Avant, pardon, et je prends pour exemple le RIFSTEP, qu'on a négocié avec M. Vassman, la grosse partie. Oui, la grosse partie pour harmoniser. Et après, bon, M. Burkel a dû prendre le bébé en fin, donc il n'avait pas trop le choix, et on arrivait, et on avait cette phase de négociation où on s'est retrouvé en face de M. Burkel et M. Pernaud, le directeur général des services. Ben, ça, depuis là, ça n'existe plus. Quoi. On nous présente les dossiers,
on change les virgules, les points, oui, nan, il n'y a plus de négociation. Donc, c'est, voilà, donc on est nous trois. Je vais être plus précis, Jacques, je pense que la nouvelle direction générale et l'élu chargé du personnel, je pense qu'ils n'ont même pas pris ce dossier-là en main. Parce que quand on regarde un peu, la directive sur le régime militaire, elle a été signée au juin 2018. Non, alors le premier comité technique, c'est en novembre 2017. Oui. Ça passe en plénière en décembre 2017. En avril 2018, on avait déjà. Deuxième et une troisième partie. Oui, on fait voilà. Le règlement, on valide avec les pourcentages, les bonifications, etc. Oui. Toi, en 2018, oui. Avril 2018, quoi. Et Burkel ne prend que le bébé. Monsieur Burkel, pardon, ne prend que le bébé en cours de route. Le directeur général arrive en juillet 2018. Ouais. Voilà, et donc, la grosse partie était faite avant avec Monsieur Bassmann, l'élu. Hein. Alors, ça n'a pas été non plus sans mal, hein, parce que si vous vous rappelez, avec l'ancien directeur général, il a fallu négocier. Bah, sur le temps d'un budget, moi je me rappelle la première fois que j'ai eu le document dans la main. Ça devait être à Strasbourg. Je ne savais pas comment le lire et le regarder. Hein. Quand on arrivait sur l'ICEP, quand c'est sorti au début. Hein. Oui. Et on en a fait des réunions avec M. Bassmann. Ça a été énorme, et de fil en aiguille, on a fait les classifications en premier, c'était la première démarche. Oui, puis on énorme, en avait des tonnes, etc. Oui. C'était hyper, hyper compliqué. Mais avec M. Bassmann, on a réussi à avancer. C'était quelqu'un très intelligent, ça c'est sûr. Hein, et il nous a pas fait de cadeau. Non, mais c'était clair. Et moi, je préfère ça mille fois que mille Ça a été des vrais échanges, hein, parfois tendus, parfois forts, mais ça a été des échanges. Et de nous entendre sur des points en disant, ouais, là, il faut quand même qu'on fasse quelque chose, quoi. Ils ont raison. Ouais, mais ils étaient sur ce dossier un peu comme nous, ils ne maîtrisaient pas à fond, puisque là, le RIFSET nous a imposé, etc. Donc, ils prenaient aussi les propos, ce qui leur paraissait bon pour eux, les OS, c'était de la concertation. Et voilà. on a avancé comme ça. Ouais. Quoi. Mais là, maintenant, se dire, salle de classe me plaît bien. Je crois que c'est toi, Marie-Jo, qui avais trouvé l'expression, là. Un cours de lecture et une salle club de classe. Lecture, ouais. Club de lecture. C'est alors, tout à fait ça. Hein. Pour terminer cette vidéo, on va essayer de la faire courte, on va essayer de reprendre quand même les propos de l'exécutif, donc les propos tenus par le président de séance aujourd'hui, Laurent Burkel. Il met en avant les points positifs. Alors, il nous met la journée de carence en avant en disant, ouais, mais purée, pour la gestion aujourd'hui de la crise, aujourd'hui, vous pouvez être content. Nous, on est une seule des rares collectivités qui a validé le fait que la journée de carence, elle est payée, quoi. Voilà. Ah, depuis le 16 septembre. Ouais. Alors, il a, à l'inverse du gouvernement, qui met ça à la place du 1er janvier, mais à mon avis, c'est pas le 1er janvier, c'est plutôt, je crois. Bah, pour moi, il y a le décret qui était sorti pour la fonction publique d'État et qui est sorti pour les territoriaux, moi, j'ai 26 novembre dans la tête. Mais je veux dire, bon, ça explique pas. Bon, ok, non, c'est pas le problème le plus. C'est pas, voilà, il nous a fait cadeau du jour de carence. Voilà un des arguments qu'il nous propose. Bon, voilà, et les conditions de travail. Est-ce que le jour de carence va améliorer les conditions de travail? Non, ça. Le jour de carence, c'est un côté financier, on va dire. Il n'y a pas que. Moi, je dirais que la journée de carence, ça les arrange bien de la faire sauter parce que ça précipite, ça accélère le retour au travail. C'est-à-dire qu'on s'imagine quelqu'un qui a le Covid, parce qu'on est dans une période de Covid, c'est ça. La période d'incubation, la période de soins, on peut l'évaluer à 14 jours, à 21 jours. Donc, il y a toujours cette volonté, on voit bien par les colis qui sont envoyés aujourd'hui aux personnes vulnérables, il y a toujours cette méthode de présenter les choses, dire il n'y a pas de souci, vous êtes protégé, mais on vous invite à reprendre le travail le plus rapidement possible. Voilà, et la journée de carence, c'est ça, faire la journée de carence, c'est-à-dire de penser que. Les arrêts sont moins longs. Voilà, celui qui hésite ou pas, que le médecin dit il pourrait peut-être reprendre, quand on perd une journée de carence, on préfère aller se soigner jusqu'au bout et dire maintenant, on a perdu une journée de carence, on va aller jusqu'au bout et on se soigne. Celui qui a le souci ou celle qui a le souci de dire le service public, je le rends, il hésite, j'ai pas perdu la journée de carence, je vais reprendre plus tôt. Et voilà, dès lors que je sors que je suis soigné, quoi. On est là-dessus. Donc la journée de carence, en fait, compte, bien, on note, c'est un point positif. C'est sûr. Mais on peut pas dire que c'est fait que pour nous arranger, c'est aussi dans l'intérêt de notre employeur de mettre en place. Alors, il a parlé d'une deuxième chose. Il a parlé d'un avenant 4, il veut faire un avenant 4 au protocole des droits syndicaux. Et donc il a expliqué que les organisations syndicales qui signeraient cet avenant auraient droit aux documents fournis dans les groupes de travail, contrairement à ceux qui ne signent pas. Comment vous l'entendez ça? Qui c'est qui veut dire Marie-Jo. Il a dit que la DRH est chargée de préparer un avenant sur le droit syndical sur l'article 4. Qui fera qu'on serait amené à le signer en nous engageant à nous engager à ne pas diffuser les documents des groupes de travail, c'est ça. C'est-à-dire, si on signe l'avenant, on aura droit aux documents, mais on n'aura strictement pas le droit de les diffuser.
Or, le rôle d'un syndicat, c'est quand même d'informer les personnels de ce qui se prépare, de ce qui est travaillé dans la collectivité. Si les syndicats se retrouvent muselés à ne pas pouvoir diffuser, je veux dire qu'on ne va pas, peut-être pas aller si vite signer ce type d'avenant qui est plutôt dangereux, puisque ça veut dire qu'on a le droit de tout savoir, mais on ne peut rien vous dire, on ne pourra rien dire au personnel. Et comment vous pouvez imaginer qu'on vous annonce qu'il y aura 600 postes qui vont disparaître et on doit garder ça pour nous? Voilà. Les vraies organisations syndicales ne peuvent pas, et c'est ce qu'on a fait nous FO, et on a informé un grand nombre. En tout cas, tant que FO fonctionnera comme ça et que je serai à FO, il est hors de question qu'un jour j'ai mon patron qui me dit on va supprimer des postes et que je ne dois rien dire, je garde ça pour moi dans mon petit coin. En tout cas, à FO, et je pense qu'à CGT et à la FSU, on est sur le même principe. Alors cet avenant, l'article 4, c'était déjà un avenant sur le protocole des droits syndicaux. Plus, hein, et là, il va encore le mais je. Comme disait tes camarades à la CGT, je dis toujours la CGT. On dit aussi. À la CGT, je veux dire, les OS qui vont signer ce truc-là, ce ne sont pas des OS, ce sont des associations pour moi. Mais oui, parce qu'elles ne peuvent plus défendre les personnels, ce qui ne peut rien dire. Les documents, on doit nous les donner bien avant, etc. Si on veut faire un travail concret et sérieux, ou alors c'est moi qui. T'as raison, c'est bien ça le truc. C'est-à-dire que ça ne les dérange pas qu'on crie au loup et qu'on dise qu'il y a des suppressions d'emplois sans pouvoir le préciser, sans pouvoir le confirmer, donner des éléments précis. Dès lors qu'on nous donne des éléments précis, qu'on les donne, ça ne fait que attester de la volonté de faire. Alors. Qu'est-ce que vous pouvez dire, parce que j'ai entendu moi dans cette... avant même qu'on lise la déclaration, d'ailleurs, qu'on était traité de menteur, parce que j'ai entendu mensonge. Oui, j'ai entendu plusieurs fois. Qu'on était traité de menteur. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre qu'on nous mettait en fin de compte les uns contre les autres. C'est-à-dire que c'est pas que, quand on le dit dans notre déclaration, citoyen contre fonctionnaire, c'est aussi syndicat contre agent, c'est peut-être administratif aussi contre lycée, parce qu'on peut dire que là, aujourd'hui, on arrive à mettre en avant les lycées, mais... je crois que vous-même, tous les deux, je pense qu'à un moment donné, vous m'avez montré quelques tableaux qu'on a eus. D'ailleurs, moi, je n'ai pas été relevé les chiffres là aujourd'hui, mais vous disiez 6000 titulaires, 1000 contractuels aujourd'hui. Quand on nous annonce 50 titularisations au mois de janvier, là, parce que tout content de nous annoncer 50 titularisations. Voilà, sur les chiffres. Pour 1000 contractuels, c'est quand même. Voilà, il y a plus de 1300 contractuels sur emploi permanent, ce qui est énorme. Et là, on nous vante 50 stagiarisations en janvier, ce qui est ridicule. On en a eu, je rappelle la dernière, 190 en janvier, dans la vague 2 de la mobilité. Donc les 50 là, qui nous, les miettes qui nous jettent, la précarisation de notre collectivité. Il faut bien envoyer quelque chose pour arriver à contrer le discours peut-être de la terre syndicale. C'est, voilà, si on arrive à faire au moins l'acte de titulariser, pourquoi pas dire que... Alors, on va peut-être revenir pour conclure sur deux points qui me semblent essentiels. C'est un, quand on parle de dialogue social, quand on fait une déclaration sur le dialogue social, c'est qu'on nous dit, de toute façon, si c'est pour lever ça, si vous signez l'avenant, vous avez des informations. Mais ce n'est pas que ça qu'on reproche. Dans je crois que tu en as un petit peu parlé au début. C'est aussi la manière dont on fait les choses, ces espaces de travail et puis de négociation d'avoir un décideur. Et deux, parce que c'est vraiment les deux points aujourd'hui qui nous bloquent vraiment, c'est les emplois, et derrière les emplois, c'est les conditions de travail. Tu l'as dit aussi. Mécaniquement, je supprime les emplois, je ne remplace pas au début. Mécaniquement, les collègues qui étaient encore en état, avec la moyenne d'âge qui est quand même élevée dans le lycée, avec énormément de restrictions médicales déjà avant le Covid. Covid. C'est pour ça qu'on se retrouve avec, on a un chiffre qui varie, 250-300 personnes en éloignement aujourd'hui. Mais alors le comble, on n'en a pas parlé, mais je fais une toute petite parenthèse, mais je ne maîtrise pas encore bien le sujet. Les collègues qui vont être en éloignement jusqu'aux vacances d'hiver, donc de février, c'est février, la petite clause qu'il leur remettait, la collectivité se dégage de toute responsabilité. Si vous souhaitez reprendre le boulot, vous pouvez le reprendre, etc. Vous imaginez qu'un agent qui, je ne sais pas, je prends une maladie qui est dans la liste, il y en a 13, hein, je prends l'apnée du sommeil, quoi, des problèmes cardiaques, je ne maîtrise pas. Donc on dit, tu peux aller travailler, si tu veux,
Mais tu dégages la collectivité de si t'arrive quelque chose, quoi. Et si cette personne-là, elle meurt, qu'est-ce qui lui arrive, quoi? La collectivité, l'agent pour X raisons. On n'a pas forcé. Non, elle ne peut rien. Et le conjoint qui reste, qu'est-ce qui lui reste d'ailleurs? Plus grand chose. Et ça, waouh! Wow. Puis en même temps, ça donne un sentiment de culpabilité aux collègues, hein, quand tu reçois cette lettre, ou on termine cette lettre exact. En disant que tu peux reprendre si tu le souhaites. Ouais. Ça veut dire que si tu restes en ASA, c'est que tu ne souhaites pas reprendre. Moi, j'ai eu des appels comme ça, qui les gens se sentent coupables. J'ai senti ça. Ouais. J'imagine qu'ils ont quelques appels. Qu'est-ce que tu en penses? Imagine un établissement qui a la mauvaise idée ou la bonne idée par intérêt d'appeler les collègues en disant que vous avez le choix, vous n'êtes pas obligé de rester en ASA. Le collègue, il est démuni, il risque de dire, bon, ben, ok, je retourne à l'appel, je vais revenir. Ouais, tout à fait. Je vais essayer de revenir. En attendant, la collectivité se dégage de toute responsabilité puisque c'est le collègue qui aura demandé à revenir. Mais la Covid-19 qu'on ne maîtrise pas et on voit l'incohérence de tout ce qui se passe depuis le début de cette pandémie. Mais moi j'arrive pas à imaginer la scène, j'ai un problème cardiaque ou quoi, puis j'ai mon chef ou au-dessus, on me pousse à aller, je risque ma vie quand même. Ma vie, c'est pas si anodin que ça. Quoi. Oui, la mienne, celle de n'importe qui. Quoi. Moi, il y a quelque chose qui m'échappe ou c'est moi qui comprends. Moi aussi, j'étais surprise de cette petite conclusion sur les lettres adressées aux collègues. Alors, comme on ne veut pas se précipiter, on va peut-être terminer avec cette conclusion, si vous avez un mot à dire là-dessus. C'est qu'on ne veut pas se précipiter parce qu'on a, tu l'as dit Jacques, et je pense que Maréchou est d'accord avec nous, c'est il y a une véritable stratégie de communication. Donc nous, notre côté aussi, c'est pas non plus tout déballer, parce que je pense que ceux qui nous regardent, ils ont envie effectivement, quand peut-être plus dans le détail de leurs conditions de travail, de discuter des vacataires, peut-être de comprendre pourquoi on est contre le recrutement de vacataires. C'est pas pour simplement pour un problème de je ne sais pas quoi. Pour les titulaires, quoi. Ouais, voilà. Mais donc je pense qu'on aura besoin de communiquer là-dessus. On en a discuté ce matin. Parce que ce qu'on a à démontrer quand même, et on va peut-être, si vous voulez bien faire cette conclusion là-dessus, ce qu'on a à démontrer quand même, que c'est pas, on n'est pas arc-bouté là uniquement pour un problème d'éléments non fournis. On n'est pas arc-bouté simplement parce qu'il y a le Covid aujourd'hui qui a des difficultés. C'est parce qu'il y a toute une démarche qui a été mise en route depuis déjà plusieurs mois, si ce n'est pas un an et demi, 2 ans. Et on en voit, en ce moment, les méfaits, c'est masqué par le Covid. Voilà, Jacques, c'est ça. Alors, Marie-Jo et Jacques, pour terminer. Je voulais justement dire ça, c'est qu'il faut qu'on fasse attention parce qu'il ne faut pas qu'on s'imagine que le Covid est responsable de tout. Le processus a été engagé avant le Covid. Et lorsque le Covid sera passé, j'espère rapidement, mais ça c'est pas, on est moins sûr, et je veux dire, les méfaits, on les aura. La situation réelle en termes de postes, d'emploi, d'effectifs, on l'aura au réel. Et aujourd'hui, alors, de tout mettre sur le compte du Covid, c'est pas juste. Ça veut dire que ça peut fausser le vécu aussi des personnels. Jacques. Donc voilà. Merci Marjo. Moi, il y a comment dire, on se connaît depuis très longtemps, ça je l'ai déjà dit tout à l'heure, mais une intersyndicale comme on a aujourd'hui, je ne l'ai jamais connue. Hein, Dieu sait que les intersyndicales, quelles qu'elles soient depuis 10 ans, je veux dire, ça a toujours été compliqué. Boycotter les instances, force ouvrière, ce n'était pas notre cheval de bataille, on l'avait déjà fait une paire de fois, hein, ça c'est sûr. Là, on a boycotté le CHSCT, celui qui a suivi derrière, le CT et le CT d'aujourd'hui qui a suivi derrière celui du 10 décembre. La politique de la chaise vide, c'est pas notre. Mais là, aujourd'hui, on est dans de telles façons de fonctionner qu'on n'a jamais vu, on n'a jamais connu ça. Quoi. Moi, je ne veux pas, le jour où je partirai à la retraite, et j'espère partir en bonne santé, me dire, tu as cautionné, tu as été un syndicat jaune, ou il faut être un syndicat jaune, on a fait de la cogestion comme certains peuvent le faire à la région, etc. Non, ce n'est pas le fonctionnement. Donc, on a une intersyndicale très forte, très déterminée. On a des positions différentes, vous le savez aussi, FO, CGT, FSU, on le sait, on connaît l'historique, etc. Mais on a ces conditions de travail qui nous relient énormément, c'est le point très fort pour moi, et le dialogue social. Quoi. Après, on pourrait aller parler du RIF 7, mais je pense que ça on est sur la même longueur d'onde. Après, il y a d'autres sujets. Non, les conditions de travail, le dialogue social, dans l'intérêt des agents, de tous les collègues, administration. Je suis content de l'entendre dire, parce que je voulais conclure là-dessus. Donc c'est toi qui dis, c'est très bien. Parce que c'est vrai que c'est une difficulté pour nous, c'est-à-dire que sur les administratifs, on a du mal à le voir.
on entend les collègues qui viennent nous ramener des choses, etc. On a du mal à voir, mais on peut le dire comme ça entre nous. Hein. On a entendu de la part aussi de l'exécutif, c'est que avant même qu'on lise nos déclarations, ils nous ont attaqué sur les administratifs. Mmh. Il a avoué dans ce CT qu'effectivement il gelait les postes, que le président l'avait annoncé au mois de mai. Oui, tout à fait. Et la pratique qu'on dénonce, c'est que derrière, effectivement, c'est le bénéfice de pouvoir supprimer des postes aussi de l'administration derrière. Oui, voilà, sous un prétexte d'économie budgétaire à cause du Covid, etc. Mmh. Et après, on peut mesurer. Mais bon, je ne vais pas plus dans le détail, en tout cas, je vous remercie. Je pense qu'on a fait l'exercice de communication, parce qu'on a besoin aussi de s'exprimer verbalement, ouais. De nous voir, plutôt que lire des écrits. Ouais. Et on aura fait cette vidéo qu'on va pouvoir partager dans nos syndicats et à ceux qui veulent regarder. Ah ben, Pascal, bon, ben, ça nous fait des journées quand même hyper, hyper chargées en ce moment, des journées longues, hein, pour terminer. Et puis, il faut être réactif. Et on est réactif, parce qu'on a un fonctionnement de l'intersyndicale syndicale qui m'impressionne, mais moi... Ouais. Et c'est pas Marie-Josée Jeanron, Pascal Keller ou Jacques Castelli. Il n'y a pas d'élection professionnelle, donc on n'est pas sur ce terrain-là qui peut embrouiller les choses. C'est vraiment de l'intérêt de tous les collègues. Mais ça me révolte. C'est insupportable. Les conditions de travail actuellement, quand on va sur le terrain et quand on a les retours des collègues, ça devient assez insupportable quand même et inadmissible. Ok. Bah, ce n'est que partie remise, on sait qu'on joue sur la durée, là. Du mal joué, c'est même pas un jeu, mais en tout cas, on sait qu'en matière de stratégie, Jean-Retenir a pris les devants et on ne va pas lâcher. Mais, voilà. Et Pascal, je veux dire à tous les collègues, donc, de bonnes fêtes de fin d'année, faites hyper attention à vous, la santé passe bien avant le travail, etc. Le travail fait partie de la vie, ça c'est sûr, on a besoin de ça pour plein de raisons. Mais la santé, faites attention et passez de bonnes fêtes. Ouais, vous aussi. Voilà. Allez, merci. À tous, bonne fête de fin d'année.